Mais tu sais qu'il me fait trop penser à Kenny en un peu plus clair, mais surtout c'est sa tête, c'est lui mais avec les yeux marrons quoi. Eh, hey, pisse pas sur ma voiture, tu fais quoi? Il a pissé sur ma voiture. Doucement Kenny. Kenny, assis. Voilà, tu restes assis, tu bouges pas. Admire-moi ce décor, ça fait tellement longtemps que je suis venu ici, ça fait combien de temps, ça doit faire des mois déjà. Maintenant j'ai pris l'habitude d'aller dans d'autres parties de la forêt parce que c'est une des les premières fois que je venais c'était ici et j'ai un peu trop fait ici en fait. Il y avait trop de cris, non il y avait trop de ski. Les quatre qui hurlent, c'est horrible. Quand même Kenny il a pas trop hurlé, ça va, parce que il aboie jamais, c'est abusé ça. Ce que j'entends c'est que des bruits de ski et le vent. Maintenant c'est même pas le vent, c'est l'eau qui coule dans les temps à côté. Pff, rien à voir. Il y a ski là-bas là, et lui regardez le à l'affût, que quittant petit à pied. Petit à pied, petit à pied. Allez, elle tombe complètement. Avancez, allez. Oh. Kenny, allez, viens. Voilà, devant. Oh, ça se met des vrais coups de fesse en plus, hein. Allez, Kenny, devant. Ça me rappelle quand on faisait du Kenny VTT avec Kino et Kenny qui court à côté comme ça. Et tu vas où Kenny là? Devant. Allez devant. Ouf. Ah non mais là les deux ils sont bien trouvés hein. Allez Kenny, avance. Oli, viens. Ouais non là. Bah, au moins Oli et Kenny ils font leur truc quoi. Ah bah c'est vraiment comme quand Kenny courait avec Inouk, mais genre vraiment c'est grave, c'est vraiment collé quoi. La dernière fois j'ai vu autant de skis ensemble, c'était justement la portée de Kenny. Oli il a que 8 mois, c'est incroyable quoi. Mais le truc c'est ces trucs là, enfin ces chiens là ils grandissent trop vite aussi. Vraiment cette lequel va fatiguer en premier. Moi je parle sur Kenny comme d'habitude. Parce que Oli il a encore la grosse jeunesse quoi, de son adolescence là, donc bon. Ouais, il contrôle pas. Ah ouais bah là. Je pense que ça fait plaisir à Kenny de pouvoir voir un compère, sauf que lui il a 4 ans quoi, donc bon. Putain mais il se ressemble. Ça va toi? Allez. Y'a que Inouk qui est super calme. Les autres c'est des monstres. Ah ouais mais ils sont inséparables les deux quoi. Mais quand il est pas trop tard. Il est trop content. Ah ouais mais ils sont super copains là. Kenny au pied. Pourquoi tu m'as appelé? J'ai l'impression de voir Kenny en Oli quoi. C'est les mêmes chiens avec des yeux différents et je pense que c'est pour ça qu'ils matchent plutôt pas mal quand même. Parce que là, passer autant de temps ensemble. En plus, il a le vertige alors. Il va descendre. Bah, il appelle son pote. Qu'est-ce qu'il fout? Oh, Kenny, tu viens? Allez! Je peux te dire que si on avait un traîneau là et de la neige. Je vraiment pensais que ça aurait été nous qui aurait été compliqué, mais finalement c'est où quoi. Moi je pensais que ce serait Kenny vu qu'il y a plein de chiens, mais non. Et vu qu'il a trouvé son meilleur bro. Ils font les mêmes mouvements tout le temps, c'est incroyable. Alors que Inouk il reste calme, mais comme pas possible quoi. On sent que c'est le plus vieux de tous. C'est le papa qui gère les gosses. Mais vraiment le fait de pouvoir faire du VTT, de même juste marcher genre. Sans avoir tout le temps fait attention à lui, c'est super cool quoi. Quand il est avec sa meute, avec son gang, il est un peu mieux quoi. Doucement, Ouais, il est le manoir. Yes. Ah ouais, mais il suit vraiment bien quoi. Kenny, il y a un stade où quand je l'appelle, il revient très très lentement. C'est-à-dire que j'ai déjà attendu 20 secondes à le voir marcher vers moi alors qu'il était juste au fond, tu vois, mais genre il a mis 20 secondes à faire juste ça quoi. C'est bien Kenny. Allez, devant. C'est la première fois que je vois un ski avec les deux yeux marrons et c'est un vrai regard quoi. Kenny, au pied. Non, c'est la route principale et t'as le... Putain, ils ont tout rasé. Et t'as le... Ici, ok. Ah non, on a... C'est bien, Kenny. Ah ouais, mais ils ont vraiment rasé, en fait. Ouais, c'est... Ils ont replanté pour raser derrière. Bah, surtout qu'ils s'étaient fait chier à les planter, quoi, les arbres. Ouais, je comprends pas leur initiative, là, concrètement, quoi. Au pied. Ah, oh, les deux. C'est incroyable.
Oui, y a pas de soucis. Ah bah oui, hein. Non mais c'est bien avec la présence de Oli qu'il oublie vachement mieux. Allez, devant. Oli vient de faire un truc de l'armée, il est passé sous une branche et tout, c'est incroyable. Il arrive. C'est bon, il arrive. Ça me rappelle quand je faisais ça avec Kenny. Sauf que lui, il ne voyait jamais quand on était caché, du coup il faisait que tourner autour. Il est beau chien, hein. Merci. Demi-tour. C'est bien, Kenny, mais c'était pas pour toi. C'est bien, mon chien. Super, oui, toi aussi, voilà, moi. Je voulais se faire caresser par tout le monde. Il y a Kenny qui va le chercher. Là. Allez, voilà, c'est bien. Allez, chouchou. Ouais. C'est bien ça. Allez, viens. Allez, on y va. Encore. Très bien, Kenny. Oli. Ah bah ça fait longtemps. Hein. Par contre, c'est chiant, j'arrête pas de les confondre, Oli et Kenny, à chaque fois. Je pas encore l'habitude, quoi. Parce que d'un peu long, ils ont un peu les mêmes nuances de noir et de gris, et du coup, ça perturbe pas vachement. Quoi. Et au niveau de Kenny, à cet âge-là, il était pareil au niveau morphologique ou... Ah bah oui, d'après mes souvenirs, quand il avait l'humour, il était quasiment à sa taille actuelle, quoi. D'accord. Ouais, moi, il a grandi très très vite, quoi. Enfin, je pense qu'il a de très fort potentiel pour dépasser Kenny, pour le coup, je pense. Ah bah, je pense qu'il sera à tour de Kenny en tout cas. Il fait 28 kilos là. Oh putain, il est énorme. Ouais, il rigole pas lui. Ah non, mais Kenny il a rien à voir avec Uka ou Inouk, même avec Oli quoi. Rien que niveau du poil quoi. Kenny il a une robe là. C'est ouf quand il est tout posé quand même. Après la première balade, l'excitation qu'il avait en lui, c'est. On parle duquel là parce que. Ah Kenny, oui, non, mais maintenant il a clairement l'habitude quoi. Très bien ça. Allez bien. Oui, c'est bien ça. Et toi, ça, Kenny il aurait pu le faire, continuer à courir tout droit quoi. Non mais voilà, Kenny avec sa rééducation et le temps, forcément ouais, il s'est calmé quoi. Ah oui, d'accord. Ah la meute. Oh merde, ils sont dégueulasses. Oh non. Vas-y Kenny, roule ça dedans. Non Kenny, ça va. Enfin j'espère qu'il fera pas ça parce que là bon. Ah non, ça va encore là. Ah bah il est terminé. Ouais. Non, parce que la dernière fois il était tombé dans un truc de boue, mais vraiment bien boueux quoi. Et dans la baignoire c'était sympa. Hein. Et il y a Inouk, c'est vraiment le papa quoi. C'est bon les enfants? Au niveau de la queue, c'est comme Kenny. Tu sais, vachement. Vachement sur le dos. Enroulé. Alors que Uka, comme il est, tu vois, c'est. Ah, c'est ce qui m'a choqué. C'est pour ça que je galère à les différencier à chaque fois quoi. Non, Oli, viens par là. Kenny? Non! Eh ben, j'ai retrouvé là. Ils ont bu, ça y est, ils sont repartis là. Oh, qu'est-ce que t'es dégueulasse. Je vais positionner. Tu vas aller faire caca. Tu vas voir Jonas. J'appelle papa caca. Papa caca. Il vient me voir. Tu fais une petite caresse et tout. Au bout de 2 minutes, il se bat. Et là, j'entends. Et là, j'explose. Je rigole parce que du coup, il est parti voir Jonas qui joue. Qui est sur le PC. Et il engueule, voilà. Allez papa, je vais faire ça. Ah, ça va, on a bien monté là. Si. Moi je vois où on est et on peut même aller gauche ou droite, c'est la même quoi. Non mais ils ont les mêmes mimiques et tout quoi. C'est, oui, c'est très bien ça. C'est dingue. On va faire une photo de famille. Oui. Bah ouais, comme la dernière fois. Ah ouais. Ah bah déjà la dernière fois on a bien galéré alors à 4. Ah bah c'était une bonne rando, on les a bien dépensés. C'est bon là, les deux ils sont séparés, maintenant c'est Kenny devant et Oli derrière quoi. Ça, en plus la dernière fois tu te souviens, Kenny était resté toujours en arrière par rapport à nous, tout ça, maintenant il prend grave les devants quoi. À vélo il fait moins. Un petit peu. Ouais, mais à vélo il fait quand même grave moins qu'à pied quoi. À vélo il a toujours cette tendance à vouloir être vraiment côte à côte quoi. Non. Kenny. Je vais être devant. Allez mon chien. T'as pas besoin de moi, vas-y. Oh là là. Oli, stop. Kenny, stop, tu arrêtes. Oli, stop. Attends, ne tombe pas. Hey, c'est bon. Calme-vous. Oli. Non, mais c'est vraiment le papa quoi. Oli, c'est bon.
T'en as marre, tu le laisses. Non mais Kenny, tu sais qu'il aime pas ça. Ouais, il va te le dire. La dernière fois avec Johanna, il a fait ça pendant une heure. Il s'est fait grogner pendant une heure dessus et rien à foutre. Non, je continue. Ah, ils sortent d'où ceux-là? Alors eux, je sais pas d'où ils sortent. Et qu'est-ce qu'il fait là? Ah ouais, mais le trou là, il est grave plus gros que la dernière fois que je l'ai vu. Hein. Tu sais pas pourquoi? Parce qu'il y a rien en fond. Enfin, il est pas. Non, mais je pense que c'est un chien qui, à chaque fois qu'il vient ici, il s'amuse à creuser. Oh, doucement, il y a de la merde. Kenny, doucement. Kilo là devant moi. Ah oui, c'est vrai. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager à fond la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de me follow sur les réseaux sociaux, ils s'affichent en haut à gauche de votre écran et les liens sont dans la description. N'hésitez pas non plus à aller follow Jonah et Charline qui sont juste des personnes en or et leurs chiens sont incroyables. Inuk, Uka et du coup le petit dernier Hollywood. Je vous mets leurs réseaux sociaux directement dans la description, n'hésitez pas, c'est vraiment du très très sale. N'hésitez pas non plus à aller checker la boutique, elle se trouve en description, n'hésitez pas, si tu veux avoir un petit pull, t'as vu bien. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je vous sors une nouvelle vidéo. Enfin bref, voilà, c'était une vidéo plus détente que d'habitude et j'espère qu'elle vous aura plu et nous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos les potes. Bye.